Comme vous le savez, nous avons depuis maintenant lundi ce que nous appelons la semaine des ambassadeurs. D'habitude, c'était la conférence des ambassadeurs. Et maintenant, compte tenu de l'extension que cela a pris, c'est pendant toute une semaine que nous réunissons l'ensemble des ambassadeurs français pour à la fois passer un certain nombre de messages. Le président de la République a exposé la politique internationale de la France hier, pour écouter aussi un certain nombre de messages que les ambassadeurs qui sont présents dans l'ensemble du monde ont à nous donner. Et puis nous abordons toute une série de grands sujets qui sont extrêmement variés, depuis les problèmes de la Syrie, les questions européennes, les questions qui se passent en Afrique, la politique culturelle, le développement scientifique, etc., etc. Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur la question du dérèglement climatique pour une double raison extrêmement simple à comprendre. D'un côté, c'est un des problèmes majeurs de l'humanité et on sait que l'année dernière et encore les premiers mois de cette année ont été les plus chauds jamais observés. Et ceci a toute une série de conséquences absolument ravageuses. Et quand je dis ravageuses, c'est au sens propre. À la fois des conséquences sur les phénomènes extrêmes, les typhons, les pluies, les sécheresses, des conséquences sur la biodiversité, des conséquences sur la nourriture, des conséquences sur la santé, des conséquences sur l'immigration, des conséquences sur la paix et sur la guerre. Ce sont des choses qui commencent à être connues de tous. Vous savez que s'il n'y a pas une action puissante, les scientifiques du GIEC nous ont expliqué, et ceci n'est plus contesté, que le dérèglement climatique risque de s'aggraver encore avec des conséquences terribles pour l'humanité, à la fois en termes de climat et en termes de pauvreté et en termes de conflits. Donc, c'était la première raison pour laquelle il fallait mettre au premier rang de nos préoccupations la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, c'était d'autant plus indispensable que la France, comme vous le savez, après le Pérou, a été choisie pour accueillir la conférence qu'on appelle COP21, qu'on appellera, pour faire court, la conférence de Paris. Et donc, l'ensemble des diplomates français sont mobilisés, comme beaucoup dans le monde, pour faire réussir cette conférence. Le président de la République est au premier plan de l'action et moi-même, j'aurai l'honneur de la présider. Et c'est dans ce cadre que j'ai demandé au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, de bien vouloir s'exprimer devant la totalité des 100 ambassadeurs français ce matin. Et il a eu l'immense gentillesse, et je l'en remercie, de venir à Paris, exposer non seulement sa vision d'un certain nombre de questions, mais d'abord la façon dont il s'engageait lui-même pour faire réussir cette conférence sur le climat. Et je sais, pour avoir suivi son action, que c'est vraiment un des points qui engage le plus, non seulement l'action, mais la conviction profonde du secrétaire général Ban Ki-moon. Et puis ensuite, il a eu la gentillesse de le dire, c'était d'une façon de rendre hommage au travail des diplomates français sur toute une série de problèmes à travers le monde. Et mon bonheur et notre bonheur a été complet, puisque mon ami Manuel Pulgar-Vidal, qui a présidé la COP20 à Lima, et avec beaucoup de résultats positifs et un grand succès, nous a fait l'amabilité aussi de nous rejoindre et de s'exprimer devant les ambassadeurs. Et donc, c'est avec énormément de plaisir que nous les avons accueillis. Ils vont maintenant s'exprimer. Je dirais simplement pour ma part, puisque le rôle d'un président de COP, ce n'est pas de faire prévaloir ses propres idées, c'est d'aider à trouver une solution. On m'a dit, il faut que tu écoutes, il faut que tu aies de l'ambition et il faut que tu aies l'esprit de compromis. L'ambition, ça ne fait pas référence à l'ambition personnelle, c'est l'ambition collective. Et l'ambition collective, elle est là.
L'écoute, elle est là, et l'esprit de compromis, eh bien, je l'ai, comme Manuel là, et comme le secrétaire général des Nations Unies là aussi. Je pense que la formule qui a été exprimée ce matin par le secrétaire général, je la partage volontiers. On lui demandait, mais est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste, etc. Et vous avez répondu, cher ami, je suis prudemment optimiste. Bon, je partage ce jugement. Et j'ajouterais, vous connaissant, nous allons faire en sorte que cette prudence optimiste, avec notre action à tous, devienne, grâce à notre action et à notre volonté, un optimisme raisonné et qui obtient des résultats. Monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le ministre Laurent Fabius, de votre soutien, de votre leadership et vos accueils. Monsieur le ministre Vruga Vidal, merci de votre leadership. Mesdames et messieurs de médias, bonjour. Je suis très heureux d'être à nouveau en France. J'ai eu des entretiens très fructueux avec le président François Hollande et le ministre Laurent Fabius. Nous avons parlé de l'action que nous menons de concert pour promouvoir la paix et la stabilité en Ukraine, au Mali, en République centrafricaine, au Sud-Soudan, au Moyen-Orient et ailleurs. Nous avons également fait le bilan des négociations sur les changements climatiques. À l'approche de la conférence très importante qui doit se tenir à Paris dans moins de 100 jours, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de m'adresser aux ambassadeurs de France avec le ministre de l'Environnement, Pulgar Vidal, de Pérou. Je leur ai demandé d'user de leur influence pour mobiliser tous les pays et de tout faire pour que soit conclu un accord d'une véritable utilité qui visera à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. En ligne avec les décisions prises par la conférence des parties sur les changements climatiques à Lima en décembre 2014. Ministre, monsieur le ministre Fabius et moi avons examiné un certain nombre d'autres questions de dimension planétaire qui ont des incidences à l'échelle des pays et des continents. Il y a aujourd'hui plus de personnes déplacées qu'il n'y en a jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale. En Syrie et ailleurs, des millions de gens fuient la violence et la persécution. D'autres tentent d'échapper à la pauvreté et cherchent des moyens de vivre dans la dignité. Ils entreprennent des voyages périlleux. Ils ne devraient donc pas, à l'arrivée, rencontrer de nouvelles épreuves. Je félicite les pays qui manifestent leur solidarité et j'invite les autres, en Europe et ailleurs, à faire preuve de compassion et en faire beaucoup plus pour venir à bout de cette crise. Par notre intervention, nous devons sauver des vies, lutter contre la traite et la discrimination, apporter des solutions juridiques, examiner les causes profondes des problèmes et défendre les droits de l'homme. L'extrémisme violent est également une source de préoccupation majeure.
Nous avons été témoins ces derniers jours de massacres encore plus violents et nous avons continué à assister à la destruction du précieux patrimoine culturel de Palmyre. Comme on vient de le voir ici même, en France, où un attentat de masse a été évité, il faut à la fois être vigilant pour déjouer les menaces et ne pas se laisser submerger par la peur et la suspicion, comme le voudraient précisément ceux qui cherchent à terroriser. Je remercie à nouveau le gouvernement et le peuple français de leur rôle actif et de leur appui. Je me réjouis de voir président François Hollande et le ministre Roland Fabius à New York le mois prochain, quand les dirigeants du monde de tous les pays vont se réunir pour adopter le programme de développement durable pour 2030 et faire progresser les grands chantiers que nous avons ouverts. Merci. Merci beaucoup. Manuel. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter des excuses. Je m'exprime en effet en anglais, mais Monsieur le ministre, je vous ai promis que d'ici à la COP21, je dirai quelques phrases en français. Il me reste donc 100 jours pour apprendre rapidement cette très belle langue. En tant que président de la COP, président de COP, la 20e, je pense qu'il est très important pour les médias, pour la presse, de partager avec nous et de transmettre un message d'espoir et d'optimisme. Je suis en effet absolument convaincue que nous parviendrons à notre objectif, que nous obtiendrons un succès et qu'un accord sera trouvé d'ici la fin de l'année. Permettez-moi de vous dire pourquoi j'en suis sûre. Eh bien, c'est parce que nous sommes à une époque, un moment historique. En quelques jours, le monde, la planète, aura adopté les premiers objectifs de développement durable d'ici 30 jours. Et souvenons-nous que nous avons commencé à parler d'objectifs de développement durable il y a quelques 30 ans, lorsqu'un rapport a été publié en 1987. Donc, quasiment 30 ans derrière nous et finalement 30 jours pour que nous ayons réellement des objectifs de développement durable. Si nous ajoutons à ces objectifs de développement durable un accord, eh bien, nous aurons grâce aux deux un cadre pour l'avenir, un cadre pour une nouvelle économie, un cadre pour un nouveau paradigme de développement pour les générations à venir. La presse m'interroge souvent en ma qualité de ministre et puis également en ma qualité de président de la COP. Les journalistes me demandent pourquoi je pense que nous n'allons pas à nouveau échouer comme nous l'avions fait à Copenhague il y a quelques années. Et ma réponse, traditionnellement, est que nous sommes dans un processus très différent. Premièrement, nous sommes dans un processus de construction d'un consensus qui repose sur la confiance. Un consensus qui part de la base. Nous avons accorder notre confiance aux pays en leur demandant de communiquer leur propre contribution. C'est une question de confiance. Les pays travaillent à ces contributions, les ont communiquées pour certains. Et d'ici la fin octobre et début novembre, il faudra ensuite que nous fassions plus. Il faudra en effet faire en sorte que nous ne dépassions pas cet objectif d'une augmentation de 2 degrés de la température. C'est en effet ce que nous disent les scientifiques.
Mais le processus est également différent parce que nous travaillons de façon ouverte et transparente avec la société civile, avec les peuples indigènes, avec la communauté des affaires, les entreprises. À Lima, avec le gouvernement français, avec le ministre M. Fabius, nous avons lancé une initiative, l'agenda d'action pour entre Lima et Paris. Nous allons y travailler ensemble, tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, car il s'agit en effet de gérer et de traiter les conséquences du changement climatique, et c'est la responsabilité de chacun. Le moment n'est pas venu de pointer du doigt, de dire quel pays a émis plus de carbone dans l'atmosphère, à chacun de prendre ses responsabilités pour gérer le problème. Et je sais que la France, que le monde va régler le problème. En ce sens, ce que fait le secrétaire général en apportant son soutien à ce processus est extrêmement important. Car à l'heure actuelle, dans le climat, le débat sur le climat, ce n'est pas simplement une question formelle. Il ne s'agit pas simplement de la convention, l'accord, il ne s'agit pas simplement des objectifs de développement durable. Il s'agit véritablement de notre aptitude à utiliser chaque événement, chaque échange bilatéral, chaque conversation pour prendre des décisions. Nous sommes à un moment où chaque étape, chaque initiative, chaque petite conversation peut contribuer à cet accord. Et le travail du secrétaire général est extrêmement utile. Ce que nous déciderons à Paris sera pour l'avenir. Et en effet, dès le 1er janvier 2016, nous serons dans une phase de mise en œuvre. Mise en œuvre des objectifs de développement durable et mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Et je suis absolument sûre que de ce fait, 2016 correspondra à l'ère d'un nouveau monde et il faut véritablement augmenter encore nos ambitions en faveur de l'avenir et des générations à venir. Donc permettez-moi de vous dire, Monsieur le secrétaire général, que nous sommes fiers de votre travail. Une question ou deux questions à poser? Enfin, il y en a sûrement beaucoup plus, mais on peut en prendre une ou deux. Madame. Laura Marlowe from the Irish Times. Irish Times. Une question aussi bien à Monsieur le secrétaire général qu'à vous-même, Monsieur le ministre. Le secrétaire général publie une interview dans Le Monde cet après-midi où il dénonce la lenteur des pourparlers. Et je me demandais si le moment ne venait pas où il faut commencer à dire qui porte la responsabilité de cette lenteur. Est-ce que le moment n'est pas venu de montrer du doigt? Et est-ce que finalement vous n'avez pas la responsabilité en votre qualité de secrétaire général, mais également et respectivement en qualité de président de la COP, de mettre la pression, de donner quelques claques? Donc qui est derrière cette lenteur et que pensez-vous faire? Merci. Voilà une question capitale qui m'amène à répéter la réponse que j'ai faite au journal Le Monde. Je me suis exprimé effectivement sur le rythme des négociations. Vous le savez, les États membres sont en pourparlers depuis plus de 20 ans. 20 ans. Et ce n'est qu'à Pérou, il y a un an, que les États membres ont pu enfin adopter un projet de déclaration. Jusque-là, il n'y avait même pas de texte. Et c'est pour cela que la conférence de Paris risquait d'être une sorte de conclusion, une impasse définitive où depuis autant de fois les États allaient de nouveau se faire semblant de se mettre d'accord. Or, nous n'avons pas de temps à perdre. Les États membres et les négociateurs ont
n'ont cessé de répéter ce qu'ils répètent depuis 20 ans. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le changement climatique est une réalité. Il est en cours. Les scientifiques nous disent et nous redisent que le changement se produit, et se produit d'ailleurs à un rythme infiniment supérieur à ce que nous pensons. Nous connaissons en effet des phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par le phénomène de changement climatique. Les scientifiques ont montré que ce changement trouve son origine dans le comportement des hommes. Nous devons y faire quelque chose. Nous devons accélérer le rythme des négociations. Il nous reste peu de temps. Il nous reste moins de 100 jours pour mettre la dernière main à ces négociations, et nous aurons le moment venu à notre disposition juridiquement une dizaine de jours pour parler. On ne négocie pas tous les jours. Il y a également des fenêtres de tir où la négociation est possible. Un texte révisé a été diffusé le 24 juillet et je forme le vœu que les négociateurs et les ministres regardent au-delà de leurs intérêts nationaux. Et je demande à tous les participants de faire clairement comprendre à ceux qui les représentent qu'il faut que les négociations aillent plus vite. Je demande aux ministres du monde entier de donner un mandat clair à leurs négociateurs, et c'est ce que j'ai évoqué hier avec le président Hollande, mais également avec la chancelière Merkel et avec le président péruvien hier à l'Élysée. Je vais poursuivre sur cette voie, mais pour cela, j'ai besoin de l'aide des médias que vous représentez. Il faut d'abord connaître, vous les connaissez, les règles. On peut dire elles sont bonnes, elles sont mauvaises, mais ce sont des règles internationales qui ont été posées il y a très longtemps sur la négociation. Il se trouve que cette négociation sur les COP est dans un certain cadre juridique que le secrétaire général, mon ami Manuel et moi-même connaissons bien, qui font que il y a chaque année une COP. Par exemple, moi, je m'exprime devant vous, mais actuellement, je ne suis pas président de la COP21. C'est le jour, aussi étrange et même absurde que ça puisse paraître, le jour où la réunion va avoir lieu à Paris, où elle va commencer, que mes collègues vont m'élire président. Et pour autant, je n'ai pas attendu. D'autre part, comme l'a rappelé excellemment le secrétaire général, les textes, normalement, sont élaborés au sein d'une organisation, d'un organisme qui s'appelle ADP, ce sont les initiales, et pour le moment, le texte est très long, trop long, nous l'avons dit souvent. On pourrait continuer la liste. Et donc, nous avons fait tous trois en tout cas, beaucoup d'autres le même constat. Il faut accélérer. Mais comme nous ne sommes pas des observateurs, mais des acteurs, nous agissons pour accélérer, tout en respectant les règles, puisque ce sont les règles que s'est donné la communauté internationale. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est d'autant plus nécessaire d'accélérer que cette négociation, elle est peut-être un peu différente des autres négociations auxquelles vous êtes habitués. Dans les autres négociations, l'objet, c'est d'aboutir à un résultat, mais finalement, ce serait mieux d'aboutir assez vite, mais si on n'aboutit pas assez vite, eh ben, on recommencera. Là, ce n'est pas du tout le sujet. C'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. L'année dernière a été l'année la plus chaude qui ait jamais existé, et tout indique que cette année sera encore plus chaude que l'année précédente. Et donc, les dérèglements climatiques, ils augmentent. Et donc, tant que nous n'apportons pas les solutions,
eh bien, la situation se détériore. Donc, ce n'est pas simplement une négociation, c'est une course contre la montre. Et donc, nous avons pris les uns les autres nos responsabilités. Le secrétaire général des Nations Unies a déjà, et je me rappelle en particulier l'an dernier, comme on dit, secoué le cocotier, en réunissant à New York toute une série d'autorités pour faire prendre conscience de la gravité des phénomènes. Là, en septembre, sans trahir de grands secrets, il y aura toute une série d'initiatives qui seront prises avec toute une série de grands responsables du monde pour accélérer. Manuel, dans sa présidence, a fait en sorte que, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant, désormais, ce ne soit pas simplement les gouvernements, mais aussi ce qu'on appelle les sociétés civiles. Et moi-même, aux côtés du président Hollande, qui est en toute première ligne et qui fait le maximum pour que les choses avancent, eh bien, je me démultiplie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que le 5 et le 6 septembre, je réunirai à Paris 50 ministres représentatifs de l'ensemble du monde et que nous regarderons ensemble concrètement qu'est-ce que nous avons à l'esprit en matière de financement, qu'est-ce que nous avons à l'esprit en matière d'adaptation, qu'est-ce que nous avons à l'esprit en matière de technologie. Et puis, évidemment, nous avons des relations avec le groupe de l'ADP et nous leur avons demandé d'accélérer leurs travaux pour qu'à la fois ils soient prêts à en fixer la date de la mi-octobre et que ce ne soit pas un texte de 83 pages qui nous soit remis, mais d'une vingtaine de pages. Donc, nous tous, non seulement chacun séparément, mais surtout tous ensemble, nous agissons pour accélérer et pour trouver des solutions aux problèmes qui demeurent. Dans son interview au journal Le Monde, le secrétaire général fait la liste des 4-5 grands problèmes qui demeurent, et vous les connaissez, et en particulier la question financière qui est très importante, sur laquelle toute une série de travaux ont lieu en ce moment. Donc, oui, il faut aller vite, oui, il faut aller accélérer, et oui, c'est nos responsabilités aux uns et aux autres de faire en sorte qu'on trouve des solutions, et nous faisons le maximum pour que ce soit le cas à la fin de l'année. Deux questions encore, après on s'en va. Rama Sofia Rajdi, United States Press Agency. As you said, the deadline is 100 days. Vous dites, il nous reste 100 jours, plus de temps à perdre. Vous le disiez, Monsieur Fabius, que les pourparlers vont se poursuivre, que nous allons trouver de nouvelles incitations, de nouvelles règles permettant de faciliter la discussion. Mais quid de l'impact sur les acteurs économiques? Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura un changement de modèle de manière à relever le danger des conflits que vous venez d'évoquer, tout ce qui se déroule parallèlement au changement climatique? Je pense qu'il y a effectivement un changement de paradigme, de modèle actuellement. Je suis très encouragée par le fait que non seulement les gouvernements, mais également la société civile et la communauté des affaires, les entreprises, se fassent entendre et disent que l'accord sur le changement climatique doit être adopté au plus vite. Et j'aimerais insister sur le contexte plus général, sur les raisons pour lesquelles cet accord est nécessaire sur le changement climatique. L'année 2015 est une année décisive pour l'humanité. Chaque année, bien sûr, est importante pour chacun d'entre nous, pour le monde. Mais 2015 est une année spéciale, une année pour l'action en faveur de l'humanité. En effet, les États membres sont convenus, à l'occasion du 70e anniversaire des Nations Unies, et à l'occasion des objectifs de développement du millénaire, ils sont convenus d'avoir une approche beaucoup plus visionnaire, un programme, un agenda de développement durable beaucoup plus large au nom des objectifs de développement du millénaire. Nous y travaillons depuis des années
Et nous allons adopter cette vision en septembre, une vision extrêmement large. Ce sera fait à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, à laquelle participeront un nombre sans précédent de dirigeants venus du monde entier. Il s'agira non seulement de célébrer, bien sûr, le 70e anniversaire de l'organisation, mais également, ils prendront leurs responsabilités sur l'agenda de développement durable. Et à Addis Abeba, ils se sont déjà mis d'accord au terme de très longues négociations difficiles sur un accord, un agenda pour l'action. Donc nous avons déjà franchi ces deux étapes. Et dans le cadre général de ce programme de développement durable, il faut un accord sur le climat. Il y a donc ces trois priorités au service de l'humanité, de la nature, de notre planète Terre. Je pense qu'il y a déjà cette vision extrêmement large de la part des dirigeants. Et dans le cadre de cette vision d'ensemble, il faut trouver un accord à Paris sur le climat. Et pourquoi ai-je dit que nous n'avions pas de temps à perdre? Parce que nous avons déjà constaté quelles étaient les conséquences dans le monde entier, les conséquences du réchauffement climatique. C'est un phénomène sans frontières. Les dirigeants, lorsqu'il s'agit du changement climatique, ne peuvent pas avoir à l'esprit uniquement leur territoire. C'est véritablement un sujet pour le monde entier, pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle l'agenda de développement durable est vraiment fondé ou orienté en faveur des individus, des personnes, du soutien qui peut leur être apporté de résolution de la pauvreté. Mais il y a également la planète qui est unique, qu'il nous faut préserver. Et pour ce faire, nous avons besoin de cette vision d'ensemble plus large. Et tout cela va bien au-delà des intérêts nationaux. Il faut travailler au service des intérêts du monde entier pour les générations à venir. Secrétaire général, j'y ajouterai une notation scientifique que parfois on ne relève pas dans le cas des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ils sont émis d'une façon trop massive. C'est le fond du problème. Le CO2, le méthane, etc. Mais quand on les émet, ils ne se dissolvent pas. Certains d'entre eux vont rester dans l'atmosphère quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années ou quelques milliers d'années. Et donc, tout le temps qu'on perd sans avoir agi suffisamment, on ne le rattrapera jamais. Et on risque de se retrouver, si on n'arrive pas assez vite, dans l'impossibilité physique d'obtenir ce qui est indispensable, c'est-à-dire de rester en dessous des 2 degrés. C'est pourquoi, scientifiquement, je parle avec les hommes de science d'une course contre la montre. Si on ne prend pas le départ efficacement assez vite, la course, on ne pourra plus la gagner. Or, il est impossible de perdre cette course parce que une de mes formules favorites que j'ai empruntée à mon voisin et ami Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. Et donc, ce n'est pas une négociation comme une autre. On dit, cette année, ce n'est pas possible, on va recommencer dans 3 ans. Non, parce que si on n'agit pas très vite et très fort, à ce moment-là, on se met, à cause de cette accumulation des gaz à effet de serre, dans l'impossibilité de trouver une solution. C'est un élément scientifique qu'on n'a pas toujours à l'esprit, mais qui est déterminant dans cette négociation-ci. On prend encore une question. Non, madame. Monsieur le ministre Ondata Kedine du journal Al-Hayat, j'ai 2 questions, une sur le climat et une sur la Syrie.
D'abord sur la Syrie, est-ce que, en vue de ce qui s'est dit au, enfin, dans la déclaration du Conseil de sécurité, est-ce qu'on est à la veille d'une conférence, que ce soit Genève 3 ou Moscou ou je ne sais quoi, mais est-ce qu'on est à la veille d'une solution internationale pour la Syrie? Et est-ce que, comment ça va se faire? Est-ce que ça va se faire avec le président Assad présent ou non? Comment ça va se faire? Première question. Deuxième question sur le climat, pour vous trois, monsieur le ministre, et pour le président. Le marché de l'énergie aujourd'hui connaît une révolution, celle du shale oil, et aussi des bouleversements en Chine. Et beaucoup de questions sur tout cet impact et sur le prix du pétrole qui est en baisse, tout cet impact sur justement quel impact ce sera sur la conférence sur le climat, sur les décisions en tout cas. Let me do like this. I will try to answer. Je vais essayer de répondre sur la situation en Syrie et j'aimerais demander à nos deux ministres de répondre à votre question sur le changement climatique et cette question relative au prix du pétrole et à d'autres aspects du marché. Si vous le voulez bien, je ne répondrai donc qu'à l'une de vos deux questions. Ce qui nous perturbe énormément et que nous trouvons très triste, c'est cette destruction qui se poursuit, toutes ces morts en Syrie et puis également la destruction du patrimoine culturel. Ce n'est pas acceptable pour l'humanité. Nous voyons ces personnes mourir. Il y a sans doute au moins 250 000 morts, 4 millions de personnes réfugiées. Et plus de 10 millions de personnes qui, dans leur propre pays, ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Ce pays est désormais fragmenté. C'est extrêmement triste. Et c'est la raison pour laquelle, le mois dernier, en juillet, avec M. Demistro, mon envoyé spécial, j'ai rendu compte au Conseil de sécurité. Il s'agit de voir comment nous pouvons lancer ce dialogue politique, que ce soit la poursuite de Genève 2 ou Genève 3. J'ai donc pris la parole devant le Conseil de sécurité et, comme vous l'avez dit, à la suite de cette intervention, cet échange, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration extrêmement forte. Mon envoyé spécial a proposé au Conseil de sécurité tout d'abord de créer 4 groupes de travail avant d'organiser une conférence plus large sur la question syrienne. Il s'agit de traiter l'insécurité, les aspects militaires, la reconstruction des institutions, ainsi que les aspects politiques et constitutionnels. Il y aura donc ces 4 groupes de travail qui seront créés d'ici la fin septembre. Bien sûr, c'est relativement l'organisation d'une conférence véritablement sur l'aspect politique est encore un petit peu lointaine. Il faut que nous nous référions au communiqué de Genève 2 adopté en juin 2012. Et ces 4 groupes de travail ont donc été créés pour avancer. Mais encore une fois, il nous faut être responsables. La communauté internationale a fait part d'une forte solidarité, d'une unité. Il s'agit maintenant véritablement de décider, est-ce qu'on va continuer à laisser ces gens se faire tuer? C'est un pays extrêmement fier historiquement et sur le plan culturel. Et je demande aux
aux dirigeants du monde et en particulier au Conseil de sécurité d'être unis. Les divisions au sein du Conseil de sécurité, les divisions de la communauté internationale, les divisions au sein du pays, tout cela a créé, contribué à cette situation extrêmement triste et regrettable. Donc encore une fois, je lance un appel aux dirigeants syriens et aux dirigeants des pays membres des Nations Unies de traiter la question. Merci beaucoup. Quelques remarques sur les deux dernières questions. S'agissant de la première question, tout processus mondial qui porte sur une question aussi complexe que le changement climatique prend du temps. Et nous avons déjà pris suffisamment de temps. Souvenez-vous que nous avions déjà en 2007 commencé avec le projet de Bali, puis la plateforme de Durban. Il y a donc déjà eu des négociations, énormément d'échanges, suffisamment pour qu'une décision puisse être prise. Donc pour moi, permettez-moi de vous dire que le processus est déjà arrivé à maturation et à maturité, pardon, et qu'une décision pourra être prise en décembre. Ensuite, sur le prix du gaz et du pétrole. Alors bien sûr, l'accord ne va pas porter sur ces questions précisément. Et le prix du pétrole, pour autant, joue un effet sur la question du climat, compte tenu des émissions de carbone, de CO2. Mais ce que va faire l'accord, c'est qu'il va ouvrir la voie à la décarbonisation de nos économies. Et sur ce chemin de la décarbonisation, le prix du pétrole, les taxes, la fin des subventions aux énergies fossiles, tout ça joue un rôle clé. Heureusement, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale ont déjà commencé à traiter de cette question. Et à Lima, l'année dernière, un groupe d'environ 35-40 pays a signé une déclaration sur le prix du carbone. L'idée étant de créer une coalition et de définir, grâce à un outil ou un autre, comment nous pouvons traiter de la question du prix du carbone. Donc je pense que l'accord de Paris va non seulement mettre en place une plateforme, mais également ouvrir la voie à la décarbonisation de l'économie mondiale. Merci beaucoup.